Ah non, je sais. Faut que je sois transformé en un truc, que ça, ça... Je crois, hein. Poisson rouge va. Mais ça va, ça date d'il y a 4 mois aussi. Je sais plus, je m'en rappelle plus. C'est passé tellement de choses depuis, c'est fou. Alors déjà, m'embête pas. Alors là déjà, il y a un tic-tac de fou. De fou. Énorme. Énorme, déjà. Déjà, Athletic Tag 2, c'est Validax. Là, Todd, il va me dire, ouais, j'adore telle musique. Je vais lui mettre, il va me donner une lune. Regardez, regardez, regardez. Ah ah, musique sur un thème bien spatial. Ah non, spécial, pardon. Ah ah, je suis devenu un monstre. Je suis devenu un monstre, m'en dis pas plus. Je suis chaud. Alors attendez, parce que du coup, c'est super cool, mais je... Alors, je veux pas mettre cette musique en fait. Enfin, elle est bien. Et je préfère... Là, on vient d'arriver, voilà, dans un nouveau monde. Ouais, cette musique-là. Oh, je suis chaud, en vrai. Je suis franchement là... J'ai eu l'inspi. Juste comment... J'ai trop mangé. Tu es une fourchette, c'est ton job. Enfin, pas de manger, mais en tout cas d'amener la bouffe. C'est trop chiant, mec. Ça va trop vite! En même temps, on vient de passer une heure sur trois lunes. Là, il est normal que quand on arrive ici, on a tellement de choses à récup que ça va à une vitesse folle, tu vois. Et bienvenue, on a lancé notre carnaval culinaire. C'est ces petites fêtes à volonté. L'ambiance est dingue. Je casse tout. Ah mais voilà. Regardez. Regardez pas. Regardez pas. Ne regardez pas. Ça ne sert à rien de regarder maintenant. Je vous dis qu'on pouvait reprendre le visionnage. Vous pouvez reprendre maintenant. Aucun souci. Là vous pouvez tout à fait regarder. En fait je viens de me rappeler. Regardez. Ça, ça va sauter. Ça saute. Je prends contrôle de ça. J'arrive, je suis en full turbo, je prends le boost, je rentre là-dedans. Une fois que je suis là-dedans, j'ai pas le choix de la direction, je vise ici. J'ai toujours une boule. Ah non. Qu'est-ce que c'est que ces dessins? Merci à Bibou pour ton 4e mois d'abonnement, merci beaucoup. Ah, Bibou. Ok, j'attends donc qu'il y en a un qui monte. Il monte, je prends son contrôle total. Je vais tout là-bas. Un peu tôt. Référence GameCube. Let's go. Et là, vous allez voir à quel point ça va aller vite. Oh, ok, deux là, une. Oh, let's go! Ok. Beaucoup de choses à faire. On va prendre contrôle. On va prendre contrôle de ça. On monte dans ce canon. On tire.
En tirant, on se rend compte qu'il y a une entrée là. On quitte ça. On lance ça, on tombe sur l'entrée et on enchaîne directement sur la suite, messieurs, dames. Deux lunes à récupérer dans cette cheminée. Ah. Alors. Attends, le but c'est prendre contrôle de ça et tracer avec eux, non? Plutôt. Ah oui, oui. Ah, mais peut-être que... Ok, il y aura des moments où c'est pas possible. Si, mais si, même là, la transi se fait, non? Ok, là, je peux me TP là-bas. Non, mais même là, non? Attendez, je tente un truc. Ah oui, c'est ça. Attention tout de même à ne rien rater, hein, si je puis dire. Oh! J'ai rien raté. Et je tombe direct dedans. Et le move est clutch. Nice! Là, en sautant, ce que je vais faire, c'est que je vais clutch sur une récupération. Joli clutch. En vrai, pas mal. En vrai, il y avait moyen. Non, mais il y avait moyen, mais... Mon timing était désastreux. Finalement. Hop, gauche, droite, devant, derrière. Boum, bim, bim. On atterrit dessus. Et voilà. Deux lunes récupérées assez rapidement. On va pas se mentir. Hein. Pas se mentir. Parfait. Ok, les deux, c'est récup ici. Ensuite, on a quelque chose à trouver là. Ok, on y va. Ok, c'est plus loin, c'est encore plus loin. C'est encore plus loin. Tiens, je vais prendre possession de cette personne. Cette personne, oui, cette boule de feu est une personne, oui, tout à fait. Je vais aller là. Je vais sauter ici. Et là, si je fais ça... Ok, c'était là, donc. Je pars. Je me retourne. Je check ce qui se passe. Je check ce qui se passe. Et en checkant ce qui se passe, je vois quelque chose qui brille. Je saute. Je fais un saut rodéo. Je récupère cette lune et je repars. Boum. Caché à l'intérieur du rocher brillant. Ça va vite, hein. Là... Un peu trop speedrun à mon goût. Alors, c'est vrai que ça va vite. Mais attendez les dernières où on va passer 4 heures pour en trouver une. Attendez. En fait, ça fait toujours ça. Au début, ça va vite parce que c'est écrit, tu vois. Et après... Vous-même, vous savez. Hein. Vous-même, vous savez. Merci beaucoup, Demon Sky, pour le Prime. Bienvenue. Merci beaucoup. Ok, messieurs, dames, enchaînons. Ah. Ouais. Music Masterclass actuellement, ok. Évidemment, on glide ça. On fait sortir ça, qui fait sortir ça. On fait sortir ça dans le doute. Si l'autre disparaît, voilà, parce qu'il va pas tarder à disparaître. On récupère ça et on ressaute ici. On grid ça aussi, bien sûr. Ok, on se remet. J'ai raté un truc. J'ai raté quelque chose, non? Par exemple, si je fais ce genre... Hein. Non, gros, ouais. C'est une catastrophe. Ma perspective est catastrophique. Ok. Alors. Ah, il est parti.
Oh le choc. Énorme choc, énorme choc. Ok. Énorme choc là-dessus, mais on a récupéré à mon avis ce qui est la deuxième lune. Étant donné que la première... Oh non, va falloir tout refaire là. Ok. On refait. Je me suis fait un peu 3D head, mais bon. Ok. Très bien. On va récupérer ça. J'ai failli tomber, c'est énorme. Ok, très important de récupérer toutes les pièces. Tant qu'on peut, on en a besoin. Je vous rappelle que le prochain objectif d'achat, c'est quand même le costume squelette. Qui coûte quasi... Bah, 10 000 moins 1, quoi. Merci, Oxting, pour ton 14e mois. Merci beaucoup. Trop mignonne, les mods que t'as utilisé là. Yoshi qui tient un cœur. Trop stylé. Ok. D'accord. Yo ! Bon, ça c'est free. Pour le moment, ça enchaîne bien. C'est tranquille. C'est. Ouais, c'est. Je dirais pas que c'est free. Je dirais que c'est gratuit. Hein ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ok. On est parti. Très peu de temps de passer ces temps-ci, mais je pense bien à vous, Pompon et les fleurs. Merci Globitoc pour le 10e mois et le message. Merci beaucoup. Oh yes. Oh yes. On va mourir. Hein. Quoique. Oh. Ça aurait été exceptionnel. Ça aurait été dingue en vrai. Attends, mais pourquoi je fous... Qu'est-ce que je fais? Ah, mais j'essaie de passer de l'autre... C'est vraiment de l'autre côté, là? Enfin... Dire, ça amène à l'autre côté ou ça n'a aucun rapport, là, ce que je suis en train de faire? Je vois rien, hein. Oh non, je voulais allumer ça. Là. On l'a déjà eu, ça. Oui, voilà. Ça, on l'avait déjà fait. Ok. Oh, je l'avais déjà eu aussi, cette dose. Oh non, elle est bien cachée. Je l'avais déjà. Déjà, à mes débuts, je voyais ça, moi. Étonnant. Et donc là, on est de l'autre côté où... Ah. Ah, il y a une course ici. Il y a une course. Effectivement, on peut le voir. Hein. Une course qui est là. Mais il y a, à mon avis, autre chose. Genre... Tu vois, elle crache. Elle va allumer ça, là. Non, elle allume. Si, elle allume. Et là, elle va allumer ça, si je me mets là. Regarde. Regardez bien. Maintenant. Ok. Lune. Je l'avais déjà. Non, mais là, c'est les galères qui commencent parce que là, il y a une croix. Hein. Il y a une croix là. Hein. Bon, là, d'accord. Elle est où ? Attends. Tu crois que je ne t'ai pas vu? Ok, elle est au-dessus. Qui peut m'amener au-dessus? Je sais comment aller au-dessus. Je sais comment aller au-dessus, je passe ici pour le moment. Ok. Faudrait que je puisse prendre contrôle des flammes. Alors, pas de cette manière. Mon chapeau et mon chapeau. Ah merde, ah, j'arrive pas à la tuer. Pardon.
Ah! Ok, ça y est. Alors ici, il y en a deux, je pense. Une. Non, je l'ai déjà fait, c'est ça? À mon avis, c'est déjà fait. C'est pas déjà fait. C'est pas déjà fait. C'est pas très dur, ça, quand même. Ça, c'est un peu cadeau, quoi. Coucou Ponce, petit message pour dire que j'adore ce que tu fais et te voir me donner le sourire. Vu que j'ai fait vacciner mon chien, ça me rend un peu triste. Vacciner ton chien? Mais c'est pour son bien, du coup. Merci Kaoru, c'est gentil, en tout cas. C'est horrible d'amener son animal chez le veto. Genre, le pire, c'est les chats, je crois. T'amènes ton chat, par exemple, chez le veto, t'as... Genre, vraiment, il prend une pression. Il se chie dessus. Non mais vraiment, non mais en vrai c'est impressionnant. Je sais pas ce qu'il se dit dans sa tête. Alors que personne va lui faire du mal, bien au contraire, on t'aime petit chat. C'est pour ça qu'on est là. Mon chat il dit vraiment rien. Putain, la plupart des chats en vrai ils sont... Mon chat c'était vraiment chier dessus. Ah, un caca tu veux dire? Sur un très très haut toit. Ok. On fait la course maintenant ou pas? Oui. Souris, j'ai mis ce clic, mais en tout cas, c'est fou que... Super message en avant, super. Alors, quelle est cette course? Oui, on a envie de courir, mon pote. C'est où, du coup? Si c'est tout en haut du volcan, je pète un plomb. C'est pas tout en haut. Ok, eux, ils partent. Moi, directement, je cut. Je suis déjà en full cut, c'est-à-dire que la game a pas commencé. Déjà ils se disent qu'est-ce qu'il fait. Moi je sais exactement ce que je fais mon pote à la compote, je peux te le dire. Ça c'est pas cool, ça c'est pas cool. Attends, c'est où déjà là? Je vois rien. C'est où? Non mais c'est où? Je suis deuxième, mais tu m'étonnes, je sais pas où c'est. Ok. 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 C'était là. J'ai la première lune. On va regarder les résultats quand même. On regarde le world record. Oui, on est toujours... De toute façon, on l'a tout le temps. On l'a tout le temps. Ben voilà. Et les modos, c'est vraiment les boss. À chaque fois, ils me l'envoient. Donc oui, j'ai le world record, bien sûr, que je vous montrerai juste ensuite, hein, évidemment. En attendant, on va quand même regarder les résultats. C'est important. Déjà, je suis dans le top 577 000 mondes en intrail. Je suis devant Guil. En intrail. Enfin bref. Ken, ok. 48. Je pense qu'on gagne franchement facile 8 secondes déjà, je pense. Après, il y a Play qui nous fait du 37. Là, ça va être chaud par contre. Ouais, non, après, c'est compliqué. 18? Ah oui, d'accord. Ah oui, 18 secondes. Ok, il y a une strat qu'on n'a pas, je crois. Je pense que il y a pas. Fukano en dessous, grave déçu. Je pense qu'il a juste fait et point. Surtout. Bon alors. Voyons voir, messieurs, dames, le World Records.
Ok. Ok. Je vous remets ça parce que c'est... Même si ça, ça c'est d'une évidence son nom et d'une simplicité absolue, je préfère vous le remontrer. Ok. 9 secondes. What the fuck? Fake, c'est un tas. Je sais pas, mais là, c'est un truc de fou quand même. Merci beaucoup pour le subgift, Michel. C'est gentil. Bah écoutez, ça va être très simple. Je vais vous montrer comment effectuer ça assez rapidement, sans trop de difficultés. Donc. Merci Maya Fever pour le 6ème mois. Merci beaucoup. Donc en gros, tu startes la normale. Bon, moi, je ferai pas 9 secondes. Moi, je serai plus autour des. Des 40, mais je vais vous montrer un petit peu. Alors, donc déjà, c'est impossible, en fait. On va recommencer quand même, parce que là, on était à deux doigts de battre le record. Ok. Non, mais c'est... Non, mais en vrai, honnêtement, qu'on soit d'accord, on est d'accord, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Non, vraiment. C'est... Là, c'est... Je pense que c'est pas possible. Enfin, pour moi, en tout cas. Tiens, j'avais pas vu tous ces messages en avant. Petit message en avant pour faire mentir Céline. Voilà, je vote toujours oui pour les tournois quand je peux. Et apparemment, ce dimanche, ça a payé. Comme quoi, on peut voter oui et être riche. C'est vrai, Rosa. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Bref, merci d'exciter Ponce et les fleurs. Ouais. C'est vrai. C'est micropixel. Ah mais voilà, micropixel, c'est mort. Vous savez ce qu'on va faire? T'as déjà fait des sauts comme ça en réponse. Ah bon? J'ai déjà fait des sauts comme ça? J'ai déjà fait ça? Ça là? Non. Parce que... Là, il lance son chapeau. Il est sur le côté, le chapeau. Il saute. Quand il saute, il est... Je sais pas comment il fait pour aller encore plus en l'air. Son saut l'amène super haut. Il rebondit à nouveau sur son chapeau là pour réatterrir ici. Ici, il va wall jump. Il wall jump, il se retourne, il relance son chapeau. Enfin, il saute, pardon. En vrai, impossible. C'est impossible pour moi de faire ça. Vraiment, hein. C'est impossible. Donc, on va la jouer humble et on va déjà essayer de battre notre propre record avec notre strat, ok? Une strat déjà qui est escalée quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, alors là j'ai de choc, là c'était à chier, mais voilà, ça se trahit. Non, en vrai ce qu'il fait le mec, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça ne se trahit même pas en fait, genre vraiment je rigole pas, hein. C'est infaisable pour le commun des mortels, c'est infaisable. C'est du... Chaque saut, et pixel et tout, c'est infaisable. C'est
ça c'est un peu à chier. Là on passe sur le côté parce que là on relance là, on monte ici. Là, putain, on est obligé d'attendre le... Voilà, c'est ça que j'aurais dû faire. Ok. On recommence. Ok. C'est chiant de s'accrocher par contre. Il faudrait que je sois... Il faudrait que je fasse des sauts un peu plus stylés. On peut spoil les chemins des courses. Oui, les courses, Osef. Oui, complètement. Là, je veux juste avoir... Pardon, j'ai lâché mon bouton. Je veux juste avoir la médaille expert. Je pense que je vais pas non plus... Je vais pas tryharder le truc, parce qu'on a beaucoup de choses à faire déjà. Et surtout que... Ce qu'on a vu du mec, vraiment, c'est... Mais je lâche encore, pardon. Ce qu'on a vu du mec, là, le record du monde... C'est... Mais quand je dis infaisable, c'est pas genre... C'est vraiment infaisable. C'est-à-dire que... Par exemple, même MV qui a un niveau monstrueux sur le jeu, qu'il a speedrunné, etc. Je pense que MV ne peut pas le faire. Genre vraiment. Faudrait voir, mais je pense que même MV qui a un excellent niveau de speedrun sur le jeu, je pense qu'il ne peut pas le faire, quoi. Il est monstrueux, quoi. Le truc. Déjà, je trouve que toutes les strats pixels, c'est hallucinant. Genre, vraiment. Avec de l'entraînement, tu peux... Franchement, je sais pas. Bon, au moins, je passe de 48 à 38, quand même. C'est pas mal. Je me mets 10 secondes dans la gueule. Je pense que je peux encore me mettre, genre, peut-être 3 secondes facile. Voyons voir, quand même, le classement. Merci, hein, encore une fois, Maya Fever, pour la demi-année. Merci à toi. 166 millième mondial, 10e de mon top... Non mais attends. Ben voilà. C'est bon. C'est propre. C'est ultra propre. Comment j'ai pu, d'ailleurs? Enfin, comment j'ai pu être dans le top C'est fou. On passe devant le coach. Est-ce que ça vous dit de retenter quand même quelques fois, histoire de se mettre genre une petite seconde dans la gueule, ou une seconde 5 dans la gueule, histoire juste de passer devant le coach? Histoire de... Non mais juste... C'est juste histoire de passer devant le coach. Non mais c'est mon ego, c'est très important. C'est très très important. C'est très important. Pour mon ego. Regarde le premier de ta liste d'amis. Le premier de ma liste d'amis, je crois qu'il est genre à 12 secondes. 12. Donc là, pour le moment, je suis bien. J'aurais pu sauter direct. Là, je suis bien. En plus, je récupère des pièces au passage, c'est pas mal du tout. Hop là, 35-67, c'est bon. L'objectif est rempli, c'est bon, y'a pas de soucis. Salut Pompon, bonne journée à toi. Question hors sujet sur Pokémon Unite, tu utilises les contrôles avancés? Ouais, j'utilise les contrôles avancés. Oui, tout à fait. Et ben voilà, il en fallait pas beaucoup pour battre le coach. Si jamais le coach a besoin de conseils, n'hésitez pas à lui dire que je suis disponible. Évidemment. Alors attendez. Je suis quoi là? 98 millième monde. Et dans ma liste d'amis, je suis pas... Je suis juste passé devant le coach. C'est tout. Mais c'est déjà énorme.
Je vais vous remontrer le replay du First World si jamais vous ne l'avez pas vu, parce qu'en vrai il est assez impressionnant. Je vais vous le montrer. Soyez prêts, c'est incompréhensible et ça va extrêmement vite. Voici le record du monde. Il va plus vite que la cam, largement plus vite que la cam. Ouais. Bon Dieu, non mais c'est hallucinant. Ponce en rebondissant sur la plante au lieu de passer par le petit mur et la fourchette. Ouais, ça, en vrai ça peut être une idée, oui. Descent Odyssey Player. Quel crack, putain, vas-y. Boum. Je mets quand même un petit cœur là-dessus parce que quand même... Mais oui, putain, regardez son profil, il y a écrit quoi? Descent Odyssey Player. Mec. Tu fais un move, ou même un ordinateur aurait du mal à le faire. Descent, Odyssey Play. Oui, c'est un joueur ok, quoi. Il a déjà fini le jeu, effectivement. N'importe quoi, les gens. Descent, Odyssey Player, non mais please. Salut Pon, je viens de recevoir mon Sweet Fleur de l'Ombre et mon Bob. Je suis contente, voilà, une belle journée. Merci pour le soutien, Curara. Bonne journée à toi aussi. Merci beaucoup. Alors, ah bah oui, non mais attendez, il y en a une là. Mais c'est quoi ça? Ok, on va aller voir. Ok. Merci Tekundera pour le 10e mois de Prime. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est de la merde ce que je fais, c'est fou quand même. Non mais c'est dingue, hein. Quand même. On rate son chapeau, quoi. Ah mais en plus c'était juste... Attends. Joyeux anniversaire à Manuela, une des meilleures rencontres que j'ai pu faire à la buvette. La buvette du FCC, lui, des bars. Merci Aris. Joyeux anniversaire Manuela, si tu es dans le coin. Merci Bitax pour ton 2e mois de prime. Bitax. La base. Ah mais non, mais c'est encore plus haut, pardon, ok. C'est encore plus haut. Alors. Oh non, mon chapeau. Oh, vous avez vu? Vous êtes témoin. Oh non, mon chapeau est... ok, je voulais ressauter sur mon chapeau, mais il a disparu. Oh bah mon chapeau! Oh mon chapeau! Oh la haine. Ok. On fait plus nimp, on se concentre. On y va. Dit-il en faisant nimp. La base en fait. La base de ce let's play, hein. Ok, on récupère quand même ça. Et du coup, ce sera plutôt sur cette ligne-là, si je dis pas de bêtises. Ah non. Ah non, non, pas du tout. Tac, 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 tac. Ok. Mais est-ce que ça vaut le coup de rester en... Ouais, si, c'est dans de la... C'est dans du... Hein, de la... Du chewing-gum ramolli... Pas trop ce que c'est, mais c'est là-dedans, quoi. Quoi? Mais c'est au-dessus encore. Ok, alors. Du mucu. Ah, mais oui. Mais... Non, c'est encore... Il y a des trucs au-dessus, là? Ah. Ok.
Merci à tous d'avoir suivi ce live. J'espère que ce let's play vous plaît et que vous vous régalez. Alors bon, non, en vrai c'est cool, je retombe en haut, c'est ok. Tout va bien. Non mais attends, mais des fois je me prends la tête, mais alors que... Mais... C'est énorme quand même. C'est incroyable. Et c'était celle-là, hein. C'était vraiment celle-là, ok. Et là, il y a des pièces. Je vois rien. Ok, tout va bien. En fait, tout va bien. On pourrait croire que non, mais en fait, si. Ok, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il n'y a plus qu'à aller là-bas. Je suis parti faire pipi. Je reviens, je vois ça. J'ai eu si peur de la fin, du let's play. La fin de let's play un peu brutale. Oh. Yes. Il faut aller là-bas. Ah non, il faut aller là. Ah, ok. Ici? Ah! Nice. Merci Cocose pour le cinquième mois. Nice. Merci Indy aussi pour le deuxième mois de prime. Merci beaucoup. Ok, ça enchaîne bien, c'est propre. Bientôt on va devoir... Le grappin, j'y ai même pas pensé. Bientôt on va devoir réfléchir. Parce que là pour moi on suit la map, c'est tranquille. On va arriver petit à petit vers les choses les plus dures, messieurs, dames. Pompon, t'es à combien du jeu, pourcentage du jeu? Alors j'ai 60... J'ai... pardon, qu'est-ce que je dis? J'ai 700... On va dire à peu près 740 lunes, ce qui représente donc 74% du jeu, à peu près. Ok, bah go là. Merci Victor Val pour le prime, merci Zimax pour le deuxième mois, merci beaucoup. Ok, alors, bon, on sent qu'il va falloir allumer des trucs. On va aller là. Ah non, ici du coup. Non, alors tu m'as raté. Là. Ok, j'ai raté. Alors, pas là. Ici. Maintenant, maintenant, maintenant. Ah ! Non, tout à l'heure. Maintenant. Maintenant. Non, tout à l'heure, tout à l'heure. Ok, maintenant. Ok. En fait, ça sert à rien que je garde le contrôle de ce truc-là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Je sais pas pourquoi je m'obstinais. Ok. Non. Tu peux pas. Ok, maintenant. Bah oui, bah bien sûr, bah évidemment. Non, monsieur. Ah, re-monsieur, il va me tuer. Sur le rip-hop, non. Ok. Mais non, mais repop pas pendant que je réfléchis, je suis en pleine phase de réflexion. Merci Skyrim pour le 13e mois. Heureusement que t'es là pour me remonter le moral. Attendez, mais quoi? Mais comment? Il faut tout refaire. Oh, et on a déjà perdu un d'énergie. Tout va bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Lui, il meurt. Alors, il faudrait vraiment regarder mon temps de jeu actuellement, voir si on a dépassé la barre des 90, mais à mon avis, c'est imminent. Super. Ok, là, il saute. Non, il va me sauter dessus. Non, c'est moi. Oh, j'étais... Ok, ok, ok. Je me casse d'ici, mec. Je suis pas ton mec, mon pote. Ok, on y retourne. On a un d'énergie. Aïe, tout reste à faire, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui. Je vois rien du tout. Non. Toi, va là et reste bien là-bas. C'est super que tu sois bien, que tu sois là-bas. C'est top. Ok. Ah non, il fallait y aller avec le... Alors, ok, on va faire un truc dans ce cas-là. On va faire ça pour récupérer toute sa vie et ne prendre aucun risque. On va faire ça, premièrement. Premièrement. Et enfin, deuxièmement, on va aller chercher le poteau Rico. Il va me sauter dessus. Je me turn, bim, boum, bam. Je vais ici dans un premier temps. Je saute ici. Je vais ici dans un deuxième temps. Je saute pas maintenant parce que... Voilà. Pas maintenant. Dommage. Ok, là ça va être bien le timing. Super. C'est quoi qu'il fallait que je fasse? Ah putain, fallait que j'allume en bas. Ok, il a oublié ce qu'il devait faire. Il a oublié ce qu'il devait faire. Il le fait. Ah. J'ai vu l'autre. Il suffit de se mettre là en fait. Tout à fait. Ça me fait tellement taper des barres quand je vois des... Des fois je vois des joueurs pros jouer à des jeux. Genre quand ils font des moves ultra clutchy, trop stylés. Ils se regardent, ils sont en mode... Ah bien joué. Ouais c'est ça ouais. Complètement. On les a baisés ouais. On les a baisés ouais. Ok on y retourne. On enchaîne. Je passe juste faire un petit bisou, amuse-toi bien pour... Merci Fly for Octi. Merci beaucoup. Oh non je l'ai pulvérisé ouais. C'est régu. Ouais les joueurs Trackmania ils passent un truc de fou. Check ça mais de la tête. Un. Ok, là y'a quoi? Je me suis chauffé, je viens de commencer le jeu, plus que 995 lunes. C'est propre, t'as bien commencé hein. Un kiwi lambda, merci pour le 8e mois, et Purple, merci pour le 11e mois aussi, merci beaucoup pour votre soutien. Ça doit être en dessous, je pense. Ça doit être en dessous. Peut-être pas sauter bêtement. Voilà. Rends-moi mon chapeau. Ah, mais elle est là. Venez, on la prend et on meurt. Y'aura même pas de mort à la suite de ça? Ok, alors. C'est super. C'est fou. Bon, terminé pour ça. Alors regardez parce que là, maintenant commence le moment. Si vous trouvez que j'allais trop vite ici, vous en faites pas, vous allez penser d'ici une dizaine de minutes que je vais trop lentement. Parce que là, on rend ça. ...752. On passe la barre des 75% du jeu. Et à partir de maintenant, il n'y a qu'une chose à faire. Le perroquet, messieurs, dames. Alors, 52 sur 68, il m'en manque 16. Et les petites pièces violettes, il m'en manque 6. Ok. Alors, du coup, je retourne là-bas. Ah merde, il manque celle-là. Alors... J'avais oublié. J'y vais. J'avais pas vu. Ah mais oui. Ah mais d'accord, j'ai vraiment cru que c'était la porte tout à l'heure. D'accord. Tout à l'heure, je suis rentré dans la porte en mode non mais ça doit être ça. D'accord, très bien. Ok.
Merci Youn pour le 19e mois. Quelle est la différence entre une boîte de conserve et un aquarium? Dans la conserve, les poissons verts et dans l'aquarium, les poissons rouges. Bref, sur ce, joyeux Noël. Merci Youn pour ce moment de détente que tu viens de nous offrir ici. Ah, salut. Oh, waouh! Avec ses couleurs chatoyantes et ses délicieuses odeurs, cet endroit est exquis. Ah. Les habitants, la nourriture, le paysage, tout est vraiment délicieux ici. Ah. J'ai mordu dans une lune sans faire exprès. Elle était cachée dans un bol de potée. Allez, prends-la. Merci. Donc là... Y'a rien qui la choque en termes de d'un point de vue fashion, c'est ce que je veux dire. Je crois que j'ai fait le tour des pays que je voulais visiter. Ah non, j'ai oublié le cratère de notre joli satellite. Y'a rien, ça te va toi comme ça? Parce que ça c'est l'habit que je vais garder pour le mariage, Peach. Oui, tout à fait. Ouais. Ce sera mon costume de mariage. Tout à fait, Peach. Bon. Il est où le... Il est où le perroquet? Il est là. Okay. Quel mariage? Bah, je sais pas. Il y a peut-être un truc, je sais pas. Un t-shirt! Un t-shirt! Un t-shirt! Un enfant sur le rocher! Le frocher? Quoi? Alors attends, parce que là tu comptes trésor enfoui, faut noter. Hein. Sous... Le frocher. Ok. Une autre. Avec l'indice du pays de la cuisine. Alors. Pays de la cuisine. Ok. Moi je sais. Je sais que tu sais, tu me donnes des indices, je m'en doute. Moi je sais. Bien sûr. Sur un flanc escarpé. Ok, alors, sur un flanc escarpé, il pue la merde les indices. Sur un flanc escarpé. Sur un flanc escarpé avec l'indice du pays de la cuisine. Alors, est-ce que j'ai l'indice du pays de la cuisine? Déjà, on va checker ça, premièrement. Sur mes indices restants en termes de screen. Mais celui-là, je l'ai déjà. Mais pourquoi je le supprime pas, en fait? Je l'ai. Bah, on peut en faire tout un plat, c'est bon. Non, ça, c'est l'indice... Ouais, ça, c'est l'indice du pays... de la forêt, tout ça. Moins, complètement. Moins. Ça, c'est l'indice de... Sur la plage, ouais. Je l'ai peut-être pas, l'indice. Ça, c'est 84. Mais j'ai peut-être pas cet indice. Mais si, je pense que je l'ai chopé il y a longtemps. Ça, c'est sur la lune. Ça, c'est sur la lune. Ah, tout ça, c'est sur la lune. Ça, je sais plus. Ça, c'est dans le château, je crois. Ça, c'est moi qui chill. Dans le plus grand des calmes. J'ai plus d'indices, là. Ah bon. Mais pourquoi je prends tout en screen? Mais il y a 20 screens d'une merde, là. Ah, mais parce que j'ai fait 100. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi il y a plusieurs screens, effectivement. Ok, donc ça, on a aussi... Putain, mais il faut faire de la place, juste un peu de place, pour ne pas qu'on m'efface juste à l'aide. 100. Le screen aussi, le 100 qui a été screen quelques fois. 2-3 fois, sans trop abuser, bien sûr. Alors ça, c'est un screen de Monster Hunter Rise. Parce qu'en fait, je suis photographe à mes heures perdues. Enfin, bref. Je pourrais vous montrer un jour mon album. Et Mais je l'ai jamais vu, cet indice. Et en fait, je l'ai jamais vu. Je pense que je l'ai jamais vu. Ou alors, je l'ai jamais screen, si je l'ai vu. Ok. Alors,
On rappelle les indices, messieurs, dames. Trésor enfoui sous le frocher. Donc c'est peut-être un... Trésor enfoui sous le frocher. C'est peut-être un... Un rocher avec des fourchettes. Ou avec des fromages. Frochés. Frochet. Trésor enfoui sous le frochet. Mais ça, on avait déjà tout cassé. Il n'y avait rien du tout. Ah, mais elles étaient peut-être pas apparues à ce moment-là. Avec l'indice du pays de la cuisine. Donc ça, on n'a pas. Et sur le flanc escarpé. Alors, sur le flanc escarpé, franchement, c'est pas très sympa. Parce que des flancs, il y en a beaucoup. Après, peut-être qu'ils parlent vraiment de flanc au sens... Ah ? Oh, j'ai envie de sauter de là-dedans. Ah merde ! Ah merde ! Merde ! Ok, c'est pas la meilleure des idées, mais c'est top, c'est super. Y'a quoi ici ? On a déjà joué là. Et bienvenue dans notre salle de jeu du chapeau. Le jeu qui fait la fierté d'Ifezek dans le monde entier. C'est 10 pièces la partie. On est à court de lune, mais c'est pas grave, pas vrai? Vas-y. C'était quoi qu'il fallait faire déjà? Ah, mais oui, c'est vrai. Vous avez capté que c'est pas ce que je voulais faire, hein. Non, mais non, je me suis déplacé du coup. Vas-y, il est nul ton jeu. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Oh. Ça c'est validé. Qu'est-ce qu'il veut celui-ci? Dysfonctionnement résultant d'une surcharge de poté. Générateur de crise activé. Besoin urgent d'un mécano. Vous n'avez absolument rien d'un mécano. C'est un mécano qu'il me faut. Un mécano. Mécano. On dit pas plus. Je vais ici. Boum. Ici. Boum. Je rentre. Je rentre ici. Je me change en mécano. Mais j'ai pas d'habit mécano, moi. Qu'est-ce qu'il me raconte? Et de quoi? Mais j'ai jamais eu de truc de mécano, moi. Aviateur, marin. J'ai un truc de... Un truc de mécano, moi. Ça, c'est une casquette de mécano, ça? Alors... Alors, attends, parce que... Oui. Alors, c'est bien, mais... Ok. Mais what the fuck, le style, c'est parfait. Mécano? Ah, mais mécano, ça sous-entend conducteur de Formule 1. D'accord. Mécano de Formule 1. Mais c'est vraiment les mécanos de Formule 1, hein, par contre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Merci Vimpos pour le Prime. Merci Sandiva pour l'abonnement aussi. Vagalian aussi, merci pour le 3ème mois de Prime. Merci à vous. Écoutez, monsieur, bonjour. Vous me trouvez aujourd'hui donc complètement disponible afin de réparer votre problème de mécan. Juste, va falloir m'en dire plus, mon pote. Dysfonctionnement résultant d'une surcharge de poté, générateur de crise activé, besoin urgent d'un mécano. Mécano détecté, effet placebo, enclenché, hypochondrie, en net recul, situation sous contrôle. Système opérationnel, merci mécano. Non mais d'accord. Mais mec, je n'ai rien réparé, je suis juste venu habillé en pilote F1 quoi. C'est tout ce que j'ai fait, hein. J'ai rien réparé du tout là. Aïe. Oh.
on le prend bien sûr. Merci Aris pour le subgift à Manuela, merci beaucoup et joyeux anniversaire Manuela encore une fois. Ah oui, c'est vrai, trésor enfoui sous le frocher, pardon. Donc sous-entendu peut-être. Oh non. Sous-entendu peut-être sous les fromages là, étant donné qu'on y est déjà allé et qu'on a déjà tout cassé, mais le truc c'est que c'était avant. Allez, on va passer par donc le chemin classique hein, qui a été fait par le jeu pour le jeu pour le... Ah, j'ai rien dit. Nice. Voilà. À mon avis, la lune est là-dedans. Regardez bien. Ok, bien joué le dodge. T'es chaud, mec. Ok. Attends, c'était quoi ? Trésor enfoui sous le frocher. Alors, pour moi, frocher, c'est soit... Soit un rocher de fromage, soit avec des fourchettes, parce qu'il y a les fourchettes aussi. Ok. C'est ravageur. Bon, alors. Excuse-moi d'a... Oh, il y a une lune là-bas. Ah oui, mais la lune là-bas sera récupérée quand... Là. Avec un tableau et je ne sais pas encore lequel. Ok. Ouais. Aïe, super. Au top. Oh, il y a une caverne là-bas. Oh, j'ai envie d'aller voir la caverne. Merci Farfad Devil. Merci Farfad pour le Prime. Bienvenue, merci beaucoup. Club Lasagne aussi, merci pour le 6e mois. Ton nom tombe à pic là d'ailleurs. Merci aussi à Roger Sparkle pour le 2e mois de Prime. Merci beaucoup. Je vais aller là-bas. Juste pour voir ce qu'il y a là-dessous. Parce qu'après je vais oublier, c'est sûr. Alors c'est de la merde. C'est un raccourci. C'est un raccourci. On rappelle hein, les indices trésor enfoui sous le frocher avec l'indice du pays de la cuisine et sur un flanc escarpé. Alors on est dans un truc de cuisine. Donc moi je me dis sur un flanc escarpé, il doit y avoir un truc qui est véritablement un flanc, vous voyez ce que je veux dire ? Déjà il y a quoi, pardon ? Cuisinière volcanique, la vieille ville historique, ouais, un fromage. Ah ! Le fromage local est une pâte dure obtenue grâce à la chaleur de la lave. Pour vous servir, armez-vous d'un marteau ou d'un autre objet métallique comme les autochtones. Ok. Célèbre potée savoureuse, ouais. L'abondance de légumes, ouais. Architecture fascinante, ouais. Là où la viande sèche, ça on l'a déjà fait. Carnaval culinaire, place miam miam. Ok. Oh, attends, les trois premières lunes en indice sont tendues là. Hein. J'ai pas d'inspi. Enfin, si, j'ai une inspi sur le. Non, même pas tant que ça, quoi. Sur un flanc escarpé. C'est quoi la définition exacte de escarpé, d'ailleurs ? Genre un synonyme exact de escarpé. Raid, ouais, c'est ça. Moi, j'aurais dit raid. Pentu. Ouais, c'est ça, dans le sens pentu, ouais. C'est comme ça que je le comprends. Un flanc pentu. Ouais, moi aussi je dirais ça comme ça. Quoi là-haut ? Ok. Là, il y a du fromage aussi. Et je peux pas le casser.
Est-ce que je peux... Avec des flammes? Ah oui, oui, oui. Avec de la chaleur, ça peut fondre apparemment. Escarpé égale étroit. Very pop. Il faut qu'il revienne. J'ai vraiment besoin de lui. Il faut... J'ai besoin de toi, mon pote. Un flanc escarpé. Attendez juste, je vais taper escarpé pour... Escarpé. Qui représente une pente raide. C'est vraiment ça. Hein. Qui représente une pente raide difficile d'accès, abrupte. Une montagne escarpée, par exemple. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et du coup, une pente raide, un flanc, à flanc. Sur un flanc escarpé. Peut-être un jeu de mots avec le flanc à la bouffe, quand même. Hein. Alors, je peux pas faire ça, mais... Il est revenu là, mon pote qui lance des boules de feu, il est revenu. Sur un flanc pâtissier escarpé. Moi je le vois comme ça. Hein. Oh non mais il meurt, mais t'es trop chiant. N'en faisons pas tout un plan. Un flanc. On va pas en faire tout un flanc bien sûr, mais... Il va revenir dans une. Oh, il y a un passage là. Ok, vas-y, je m'en fous de toi. Je vais juste aller voir le passage du coup. Ah non, c'est là où je suis passé tout à l'heure, je crois. Oui, c'est là où je suis passé tout à l'heure. Ah. 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 Ok. Tiens, tiens, tiens. En fait, j'y suis déjà allé, en fait. J'y suis déjà allé, vu que j'ai pris les pièces ici. Ah super. Y'a mon pote ou pas? Attends, je sors ici. Y'a mon pote là. Toujours pas revenu. Il est là. S'il te plaît, meurs pas. C'est simple là, si tu meurs à cause de mon attaque, j'arrête de jouer avec toi mec. Ok. Ok, et maintenant je peux envoyer des flammes là, est-ce que ça casse? Ça casse pas. Ok, ça veut dire qu'il va falloir aller... Attends, attends, attends. Il faut amener monsieur et madame Marteau là-bas, là? Écoutez, vous allez venir avec moi. J'ai des gros projets pour vous. Votre vie va changer. Votre vie va changer. Du tout au tout. Vous allez voir. Venez avec moi. Nice. Ok. Votre vie va vraiment changer, monsieur. Le pauvre, il est jamais venu ici. La panique, t'inquiète pas. Tu es plus fort que tout ça. Et là, pff, c'est sûr que c'est ça. Je le sens mal. J'ai un mauvais pressentiment. Oui, c'était ça! Trésor enfoui sous le frocher. C'est exactement ça. Oh, let's go. Désolé, mon pote.
Écoute, attends, je vais quand même le remettre là d'où il vient parce que je peux comprendre aussi. Ah mais je peux pas. Écoute bah mec, ce sera ta nouvelle maison. Ce sera ton nouvel endroit. Moi je vais aller revoir le perroquet, qu'est-ce qu'il a à me dire? Non mais c'est bien, je l'ai déménagé. C'est bien. Je pense qu'il est content là-dessus. Il retrouvera son chemin. Oui. Non. Alors. Merci Badozord pour ton 8ème mode prime. Merci beaucoup. Ouais, je sais. En mijotant à gros bouillon. M'en dis pas plus. Je sais exactement où est le gros bouillon. En mijotant. À gros bouillon avec un S. On est d'accord. On est d'accord avec un S. Tu vois, là je me dis. Là je me dis. Bon, j'ai une inspi, c'est sûrement pas ça. J'ai envie de la tenter. Tu vois, les lanceurs de feu là. Eh ben, à mon avis. Non, mais c'est pas ça. Je vais prendre les lanceurs de feu et lancer des flammes. Non, mais c'est sûr que c'est pas ça en fait. Ça n'aurait aucun sens. En mijotant un gros bouillon. Alors, il y a un gros bouillon là. Arrivée du sentier du Python. Départ du sentier. Ouais, on va à l'arrivée. Il y a un gros bouillon là-haut. Un énorme bouillon. Mais oui, regardez. Ça, c'est un énorme bouillon. Merde, je me suis fait 3 dead. Ok. Ok. Waouh! Alors par contre, je sais pas si c'est celle-là. Parce que... course aux notes dans la marmite. C'est pas du tout ce qu'on était en train de chercher. Genre pas du tout. Pff, c'est chaud. Non, je vais me caler là. Voilà, là on a une vision globale. Là on est l'aigle. Est-ce que j'y suis déjà allé tout là-bas? Ouais, j'y suis déjà allé vu qu'il y a un TP et tout. En mijotant à gros bouillon. Bah, il y a le petit qui est là, bouillon. Enfin, le petit. Là, là, regardez en bas, là. Là, il y en a un aussi. En mijotant à gros bouillon. Attends. Si je saute. Si je saute de là vers le bouillon. Attends, c'est chaud. C'est chaud, mais à mon avis, c'est ça. À mon avis, c'est ça. Close en vrai. Non, mais ça se fait. Vous allez voir. Vous allez voir. Le bouillon et la marmite, c'est la même chose. Mais je sais. Bah, dans la marmite, il y a le bouillon. Je sais pas. On va voir. Boum. Attends. Oh la dingue. Oh, je suis trop fier de moi. Attends, mais faut aller le chercher maintenant.
en plongeant dans la grande marmite. Ok, bon, c'est pas ça. C'est pas grave, hein, de toute façon, c'est des choses dont on aura besoin plus tard, donc c'est très bien. Il nous reste 10 lunes. En mijotant à gros bouillon. Putain. Vous savez quoi? Je vais le faire dans l'autre. Avec un S. Merci Zoé pour le 8e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Je pense qu'il cherche une lune mais qu'il en trouve d'autres. En vrai tant mieux, hein, c'est très très bien. C'est possible selon vous? Ça me semble chaud, non, quand même. À mon avis, c'est chaud en vrai. À mon avis, c'est chaud bouillant. Attendez, si je casse tous les petits bouts là. Pour la science. Non, mais c'est sûr qu'on va le faire. Hein. C'est sûr et certain, on le fera. On casse déjà tout pour voir si ça fait un truc. Bon, ça fait rien. Rien du tout, hein. Je vois rien du tout. Merci Freddy pour le 4e mode Prime. Merci beaucoup. Ça fait rien du tout. Ok. Maintenant, on se met ici. On prend un repère visuel. Le repère visuel, ce sera ça. Regardez, là. Entre ces deux trucs, ok. Je l'ai. Non, putain, mais non. Ok. Bon, on a le repère visuel. On a le repère. Mais non, mais c'est bon aussi. Enfin, on a le repère. On recule, on fait attention à la note de musique. Vous êtes prêts? Attends, merde, c'est lequel le repère? C'est celui droite ou gauche? Je crois que c'est lui. Parce qu'un repère, c'est fait pour se repérer, c'est pas. Ok. C'est parti. C'est impossible d'arriver avec une boule de feu. Littéralement impossible. Voilà. Vous voulez qu'on retente? C'est impossible. Merci Sardaukar pour l'année, le 12e mois. Merci aussi à Yokopok pour le 6e mois. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon, c'est pas ça. Attends, mais par contre, ce qui est pratique... C'est qu'on a une, quand même, on a une vision globale, on est complètement l'aigle tout là-haut et je pense que je vais y retourner. Okay. Tu cherches quelle lune? Bah là j'en ai trois, là j'ai et pas de backseat. Hein. De toute façon, sinon vous êtes banni, donc pas de backseat. Avec l'indice du pays de la cuisine, donc j'ai toujours pas trouvé l'indice, sur un flanc escarpé et en mijotant à gros bouillon. Et pour le moment, c'est assez marrant parce qu'avec ces indices-là, on a trouvé d'autres choses. C'est-à-dire que... On a quand même des lunes, mais pas avec ces indices, quoi. Alors là-bas, c'est le tableau. Voilà. Le flanc escarpé... Oh non, c'est trop de la merde.
C'est de la merde. Oh, c'est... Oh, le move qui avait vraiment rien. Y a rien à dire, en fait. Il y a juste... Enfin, vraiment, le move est à chier, quoi. Ok. On va regarder un petit peu l'autre côté aussi. Dommage en vrai parce que tout casser dans la marmite ça donnait l'idée de mijoter. Donc ça doit être encore plus perché. Ah c'est ce que je me dis hein. Je trouvais ça assez clean l'idée de tout casser dans la marmite en mode bah ça mijote quoi. Ça on l'a fait, il y avait un truc. Ah ça c'est la... On l'a fait, il n'y avait rien, c'est trop loin. Mais je vois rien d'autre. Je crois que je vais me casser d'ici. Enfin pas de la zone hein, mais de tout en haut parce que je vois rien du tout. J'ai quand même vu un truc que je vais aller chercher de suite. J'ai quand même vu un truc, c'est mon poteau. C'est mon poteau Todd. Non. Ah mais non, mais je l'ai déjà pris. Oh non, t'es trop chiant, mec. Est-ce que je peux pas me rendre dans ce truc-là qui chauffe ? Avec une boule de feu. Attends. Elle est où? Là. Sur un flanc escarpé. Ok, ça me met ici. C'est hyper escarpé là. En vrai. Et ouais, en fait je crois que je peux pas aller là-bas, ou alors je ne sais pas comment, mais... Écoutez, monsieur, dame, je pense qu'il va falloir un petit peu sortir des sentiers battus, si je puis dire. Et prendre cette descente ici même. Oh non, 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 à droite. Ah bah non. Non, stop. Oh non, non. Non, non, ouais. Ok, yes. Je vais aller à droite. Ok. Je vais y aller comme ça, ok. Je suis jamais allé là-bas. Si ? Non, j'y suis jamais allé. Vous savez quoi ? Je vais prendre complètement possession d'une boule de feu. Si j'en trouve une. Ah oui, il y en a une là. Alors là, oui, bon, je me doute que je peux éclairer ça, mais est-ce que vraiment ça m'apporte... On va voir. Voilà, j'avais déjà fait, c'est bien ce qui me semblait. Ok, ça, c'est bon. Et on repart là-bas. Tu sais, tu me donnes envie de rejouer à Mario Odyssey. Super Mario Odyssey, aller chercher le 100%, c'est... C'est un temps de fou, hein. C'est vraiment... C'est un temps de fou. Ok, bon. Bon, là, on sait qu'on a du défi, quoi. Ah, mais oui, on l'a fait, ça. Allez. Dommage, j'adore ces moments, en plus. On l'avait déjà fait, ok. Non, mais j'ai voyagé, quand même, hein. Je suis allé là aussi.
Mais oui, c'est comme ça que j'ai découvert le royaume champignon. Je m'en rappelle, c'était ouf. Je crois que c'est exactement comme ça que j'ai découvert l'existence du royaume champignon. Je sais pas si vous en rappelez. Moi, le 100%, je l'ai fait en 90 heures. Ouais, bah là, sur la run, j'ai 85 heures de jeu à peu près. Après, je suis en live, tu vois, donc ça prend aussi un petit peu plus de temps dans l'idée. Moi, je suis pas pressé, hein, après, honnêtement. Voilà, ça, je m'en rappelle tout à fait. C'était la première fois qu'on découvrait qu'il y avait le royaume champignon dans le jeu, je ne savais pas, j'étais en mode... Je me suis arrondi, c'est dingue. Je l'avais déjà fait ça? Je suis hyper lucide, hein. D'après How Long to Beat, le 100% se fait entre 63h et 131h. Ouais, c'est ça. Hein. Moi, je pense que je vais mettre à peu près 131h. T'as combien d'heures de jeu sur Zelda Breath of the Wild? J'ai... Attends, je vais te dire ça. Combien j'ai d'heures de jeu? Je crois en tout, j'ai genre 360 peut-être heures, je pense. Ça doit être quelque chose comme ça. 360. Exactement. 360 heures ou plus. Ah, j'ai pas mal pensé hein, pour un jeu solo, en vrai... Pas mal pensé le jeu. Parce qu'il est particulièrement bien. Hein. Mm. Ouais. T'as vraiment tout fait. De Zelda Breath of the Wild? Ouais, 100%. J'ai tout fait du jeu. Je ne peux plus rien faire. J'ai tout fait. Absolument tout. En ligne, nice. Alors ouais, ça m'envoie des trucs, je m'en rappelle, ouais. Ça, je l'ai fait, hein. Ouais, j'ai fait. Hein. J'ai fait aussi. Franchement, je sais plus ce que j'ai à faire. Hein. Restez vivant. Merci Grenast pour le subgift. Merci beaucoup. Restez vivant déjà. Bon, on résume. On a trois indices. Avec l'indice du pays de la cuisine. C'est le premier indice. C'est, vous savez, les petits panneaux qu'on voit, les tableaux qui nous donnent des indices sur la position de l'une dans d'autres pays. Ah mais attends, mais l'indice il est en face de moi là. C'est énorme. Regardez le petit... Mais attends, attends quoi? C'est énorme ce que je viens de trouver. Regardez, l'indice que j'avais jamais vu, il est là je crois. Mais oui. Notre autre, incroyable. Il est en face là-bas. Il est là-haut. Comment y aller? On va tenter le triple saut, ce sera mieux. 1, 2, 3. Lancer de casquette. Ok, on va passer par là. Et là, on va monter. Voilà. Ah, on prend en photo. On va le chercher, comme ça, on aura un indice de plus de la part du perroquet. Parce que là, je bloque sur les deux autres. Qui sont sur un flanc escarpé et en mijotant à gros bouillon. Donc, on sait où c'est. Hop. On y va, on le prend, ça nous débloque un indice, terminé, bonsoir. Ok? Let's go.
C'est pour ça que je vous dis que ça va prendre beaucoup plus de temps les prochaines lunes, c'est parce que franchement... un peu plus long. Le joueur oreille qui a évolué en joueur œil. En vrai, là, j'ai eu l'œil de fou, hein, quand même. J'ai eu l'œil de fou. Pays de la mer, évidemment. Arrêt au décollage, messieurs, dames. Allons-y. Oh, la petite musique, j'avais oublié. La petite musique que j'avais oubliée. Kiffante. Merci, Docteur Valou, pour le 7ème mois de Prime, merci beaucoup. Alors. D'ailleurs, ça, c'est un monde qu'on a... pas terminé. Attends, quoi? C'est quoi le... Ah oui, non, il y en a un, je sais ce que c'est. Ah oui, il y a le beach volley. Et il y a accès secret pétillance et avec l'indice du pays de la mer. Ah oui, c'est ça, voilà. C'est ça, tout à fait. Bah, l'accès secret, je l'ai... C'est... Voilà, ce sera en découvrant dans un autre monde. Et As du Beach Volley. Ça va être énorme. Alors, je les screen. C'est donc... Ok, il y a une montée, il y a ça, et c'est tout en haut. Ok, tac, 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 tac. Et c'est sur un bord, apparemment. Ok. Il me faut un poisson. Merci Lolo pour le 2ème mois. De Prime, enchanté. On va prendre contrôle de ça. Et on va chercher à... Alors c'est pas ça. J'ai failli me faire bait par un truc que j'ai déjà pris. Merci Bob Zigou pour le 4ème mois d'abonnement, merci beaucoup. On l'a bien sûr avec l'indice de la cuisine, c'est validé, messieurs, dames. Hop. Merci Sacham pour le prime. Bienvenue à toi. Merci à Francisson pour le 5ème mois. Ok, on peut continuer tranquillement. Et oui, en fait, on est bloqué à 3 indices en même temps par le perroquet. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand t'as 3 indices, ben, si tu bloques vraiment sur les 3, c'est très chiant parce que t'en auras pas d'autres des indices, quoi. Enfin si, tu peux aller voir Todd qui te donne de l'argent et qui te dit exactement où c'est, mais pour le moment on l'a pas fait une fois et j'espère qu'on n'aura pas à le faire. Je trouve ça plus drôle de chercher, j'avoue. Petit volet. C'est non. C'est non. Pas de volet. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Si, tu l'as déjà fait deux fois pour tester. Ah oui, oui, mais pour tester au début du jeu, oui. Pour voir, parce que je comprenais pas comment ça fonctionnait. C'est vrai. Merci Zorba pour le Prime. Bienvenue. Merci beaucoup. Tu connais le remix Tribe de cette musique? Non, je connais pas, mais ça doit être assez stylé parce que j'aime beaucoup la musique de ce monde-là. Alors, retournons ici voir le perroquet. Que tu referas du Mario Tennis? Ouais, de ouf. Il y a des tournois Mario Tennis aussi. On va reprendre les tournois Mario Tennis à la rentrée et tout. Bien sûr. Bien sûr.
au-dessus d'une pile d'ingrédients. Tu vois, ça, c'est assez explicite. Ça veut pas dire que je l'ai trouvé. Au-dessus d'une pile d'ingrédients. Au pluriel. Au-dessus d'une pile d'ingrédients. Il y en a beaucoup des piles d'ingrédients, non ? Au-dessus d'une pile d'ingrédients, bah. Il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a absolument partout. Mais comment je peux réaliser mes rêves là ? C'est irréalisable. La flamme s'est éteinte, ne reste que la solitude du cœur. Oh bebou. Bebou. Alors, attends, déjà est-ce qu'on peut sauver cette personne ? Comment je peux prendre des flammes et aller là-haut ? Ok. Il y a notre meilleur ami qui est là-bas. On va aller voir notre meilleur ami. C'est pas des ingrédients, ça. Oh ! Je vais le faire en sautant de la grosse marmite. Parce que c'est un vrai kiff. C'est peut-être comme ça qu'il faut le faire, d'ailleurs. Je sais pas, il y a peut-être plusieurs solutions aussi. Merci Didi pour ton 10e mois d'abonnement. Merci beaucoup. On est reparti, monsieur, dame. Ok. Le saut était un peu hésitant. Le saut était pas dingue. C'est vrai. Difficile de dire le contraire, c'est vrai. Et pourtant. Et pourtant que la montagne est belle. Alors, il est où ? Il est là, hein. Ok, il est là. On en est sûr. On en est sûr. Attention aux dégâts de chute. Non, mais ça va. On est bien. Merci Zelfir pour ton 10e mois aussi, merci beaucoup. Et c'est horrible avec la render distance là, en gros, quand c'est trop long, on le voit pas. Du coup, bah. C'est chaud quoi. Vous savez quoi, je trace, sans réfléchir, parce que j'ai qu'une vie. Et ma vie va continuer juste là, mon pote. C'est de la merde, ça pue la merde. Ok, c'était pas tout à fait là. On va tenter combien de fois ce saut par contre ? YOLO comme on dit. Ah bah moi de toute façon j'ai qu'une vie hein. Je sais pas vous mais perso j'ai une vie. Et je me turn, boum. Et là regardez, j'y vais. À l'instinct. À l'instinct. Je discute, enfin tu vois, je regarde le chat et tout, je suis tranquille. Et puis là je saute. Et puis là d'un coup je regarde en bas et puis je me rends compte que... Donc la première fois que je le fais, j'étais déjà deux fois et j'aurais préféré le faire tout à l'heure, tu vois ce que je veux dire? En gros voilà. On va se concentrer un peu. Bim. Boum. Nos scopes. Oh la boule là-dessus propre. Ok.
Oh! Merci Macarius pour le deuxième mois, merci beaucoup. Putain, mais la première fois, j'étais vraiment à... Mais close de chez close, quoi. Et merci beaucoup Chachounoub qui a pris un abonnement de niveau 2 avec 3 mois d'avance. Merci beaucoup pour ce soutien. En fait, faut que la distance soit la plus petite possible entre le bord et moi. Je pense que là, je suis bien, non ? Attendez, c'est le même repère que tout à l'heure ? Des barres ? Si je fais ça... C'est le même repère que tout à l'heure, en fait. La lanterne sur le toit, parfait, ok. Super, merci pour vos GG. C'était pas la solution la plus simple. Et c'était de loin la plus drôle. Et c'est celle que j'ai choisie. Bon, à flanc de... sur un flanc escarpé. Vous savez quoi? J'ai une inspi pour ça, mais vous risquez de vous foutre de ma gueule, ok? Je préfère prévenir. En gros... Je me dis que à flanc escarpé, tu vois. En fait, la fin de la map est vachement escarpée, on est d'accord. Moi, si je fais le tour de la map comme ça, je finirai bien par le trouver. La. Mais pourquoi tu vas à gauche? Bon. La. On va voir si on a quand même passé les 90 heures hein, de jeu. Toujours pas. Toujours pas passé les 90 heures de jeu. Eh, ça fait un moment qu'on l'attend celui-là. Merci Useless Axolot pour le 14e mois. Merci beaucoup. Dans l'ombre. Ok. Je vois que le jeu ne veut pas de mes réflexions. On va devoir s'y faire. Ok. Au moins, t'avais raison sur une chose, Ponce, on se fout de ta gueule. Ouais, non, mais ça, de toute façon, c'était... C'était gagné. Ok. C'est plume ciel. Mais là il y a une transi. Regardez, attendez, là c'est plus haut, du coup il y a une transi sur un flanc escarpé. Non ? Allez. Ouais, je sais pas trop. Je suis en train de revoir mon jugement. Oh. Les trois indices au-dessus d'une pile d'ingrédients. Mais des ingrédients, il y en a partout, c'est le principe. Au-dessus. Tu peux pas revoir le père au truc avec ta nouvelle lune. Et non, parce que la lune que j'ai chopée là... C'est même pas une lune d'indice. C'est une lune... Parce qu'on a une inspi, quoi. Du coup, ça a pas libéré de place. Là, j'ai toujours 3 indices. Sur un flanc escarpé. En mijotant à gros bouillon. Et au-dessus d'une pile d'ingrédients. Voilà. Là, on sait qu'il y a une porte, on l'a déjà fait. Hee hee!
Je trouve pas. Je rappelle qu'il faut pas backseat. Même si vous avez jamais fait le jeu et tout, parce qu'en proposant des trucs, au final, ça me... Bon, ça me casse ma réflexion, quoi, en fait. C'est chaud, quoi. Enfin, bref. Ok, il y a quoi déjà tout là-haut? C'est la viande qui sèche, oui. Faudrait limite que je reprenne de la hauteur, en fait. Faut que je reprenne de la hauteur. Je pense que tu vas y arriver. Ouais, non, mais je pense aussi, on va finir par y arriver. Hein. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on va y arriver. Vous savez, on était dans le royaume de Bowser juste avant. On a passé pas mal de temps sur le truc et on a fini par le faire, bien sûr. Ouais. Vachement escarpé, hein. C'est très escarpé ici, non? C'est quoi ça déjà? C'est de la 2D, mais déjà... Ouais, ok. Je vais reprendre de la hauteur. Je pense. Je vais reprendre de la hauteur, je pense. Tout est escarpé, mais de ouf! Ça, on l'a déjà fait, hein. Ah, c'est chaud là! C'est très chaud. Flan escarpé, gros bouillon, pile d'ingrédients. Là, il y en a plein, quoi, des piles d'ingrédients. Il y a les bouillons là-bas, les deux qu'on connaît. Là-bas, il y a que dalle. Il y a rien du tout. Là, y a rien. Là, il y a rien. Putain, je vois des gens se faire time out 10 minutes parce qu'ils me backseat un truc que j'ai déjà. Et en plus, en passant devant, j'ai dit que je l'avais déjà. C'est dommage. Putain, c'est chaud! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! C'est possible qu'il n'y ait rien là. Très très chaud. Hein. Merci Patourgette. Merci pour le prime. Patourgette. Oh, j'ai un truc là. Ok, là il y a un truc. Très exactement là, il y a quelque chose. C'est un plan escarpé ça? Attendez. On récupère ça. Comment je monte là? Comment tu veux... Ah, par là? Ah! Encore! Je dois sauter de la marmite d'ici? Non, mais attends, c'est super dur, là. Est-ce que je peux pas y aller plutôt en mode... Ok. Alors ça c'est quoi? Sur un flanc escarpé, let's go! On l'a! Et Orzan qui fête son 42e mois, merci beaucoup! Ah ouais, c'était pas simple hein putain. Ouf. Ok.
On va continuer à aller chercher les indices. Parce que sans indices, c'est chaud, quoi. Oh, faut tellement observer, c'est hardcore, vraiment. C'est vraiment hardcore, hein. Selon les streamers, certains aiment le backseat car c'est le principe de l'interaction streamer-chat. Pour d'autres comme Ponce, cela ne fait pas partie de cette interaction. C'est pour ça que certains viewers sont déroutés. Alors, franchement, je ne saurais pas te citer un seul streamer qui kiffe le backseat. Je ne saurais pas t'en dire un seul, vraiment. Mais c'est possible, ça existe forcément, tu vois. Mais non, pour moi, l'interaction, elle n'est pas dans le fait de dire où est-ce que sont les choses, tu vois. Je connais quand même peu de streamers. Parce qu'en fait, le truc, c'est que... Ken Bogard, Ponce. En fait, ça dépend du jeu, tu vois. Moi aussi, j'adore quand on joue ensemble et tout, tu vois, bien sûr. Mais quand c'est un jeu où le but, c'est chercher des lunes... Je te cache pas que, bon, si vous me dites où c'est pas drôle, quoi. C'est pas drôle. Mais attention, c'est pas pareil, hein, de backseater et les astuces et tout. Parce que moi aussi, hein, des fois, on discute du jeu. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas pareil. Wankil, l'eau clear. Alors, bah, pour avoir déjà discuté beaucoup avec Link, je peux te dire que Wankil est pas trop d'accord pour le backseat. Hein. Vraiment, mais pas trop. Après, c'est pas parce que vous avez l'impression que le... C'est pas parce que vous avez l'impression que vous pouvez backseat que du coup, vous pouvez. Hein. Vraiment pas. Hein. Mais après, moi, je trouve que là, par exemple, aujourd'hui, vous êtes cool. Hein. Y a pas de souci. Hein. Moi, y a pas de souci. Accès secret, Python du Frouneau. Ok. Nouvel indice, messieurs, dames. Accès secret. Python du Frouneau. Allez, papa. Le célèbre Python du Frouneau. Ok, Python du Frouneau. Ouais, mais Python du Frouneau, c'est ça, non? Sentier du Python. Attends, mais... Accès secret Python du Frouneau. Donc, il y a un accès secret quelque part là-dedans? Arrivé Sentier du Python. Le Python du Frouneau. Mais c'est ça, le Python du Frouneau, on est d'accord? Attends, ça doit être écrit là. Ah non. Le Python, mais le Python du Frouneau. Arrivée sentier du Python du Frouneau. On va retourner là-bas. Encore ? Grotte du Python, entrée. Place Miam Miam. Danse. Départ du sentier du Python, arrivée du sentier du Python, grotte du Python. Le carnaval, là où la viande sèche, place Miam Miam. Python du Frouneau. C'est juste là où on est, quoi. Accès secret. Mais c'est pas un indice, accès secret. Vous pouvez pas me donner... Vous pouvez pas me donner comme indice accès secret. C'est pas possible. Accès secret. C'est l'indice. C'est pas un indice. Mais c'est pas... C'est pas un indice. Accès secret. Je vais donner un indice. Et attention, écoute bien, j'en donnerai qu'un seul. C'est secret. Bon, en mijotant un gros bouillon au-dessus d'une pile d'ingrédients et accès secret. Accès secret. Bon, alors. Je pense que tu dois chercher. Ouais, je pense aussi. Je pense, ouais. À mon avis, c'est un peu... C'est l'idée. À mon avis, c'est ça, ouais, tout à fait. Bon, bah, on va aller là. Là, c'est la grotte du Python.
C'est ton cerveau qui mijote à gros bouillon. J'en peux plus! Merci tuteur pour le 6e mois, merci beaucoup. À mon avis, c'est caché. Ah non. Mais c'est nul. Il est apparu sous mes pieds. Merci Kerrigana pour le 18e mois, merci beaucoup. Ah mais attendez, je viens de capter accès secret, je crois que c'est les tableaux, non? C'est quand tu passes par les tableaux? Ah je crois que c'est ça accès secret. Hein. Non, ça c'est très chiant, c'est très chiant. Non mais oui, je crois que c'est ça. En vrai je crois qu'accès secret c'est les tableaux, mais du coup moi le tableau est là, on l'a déjà vu, il est là, voilà, exactement, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'amène là. Donc en fait là j'ai un indice qui ne sert à rien, accès secret. Parce que du coup il me donne pas d'indice. C'est pas un indice. Et j'ai en mijoté un gros bouillon et au-dessus d'une pile d'ingrédients. Et il reste combien de lunes? 7. Et 3 quand même petits. Eh, hey, 3 monnaies de l'endroit, donc ça veut dire qu'il y a... Je pense qu'il y a un endroit où vraiment... Merci Charlie Pyjama. J'ai enfin perdu mon travail, donc je te retrouve mon cher Ponce. En général, on dit pas enfin perdu mon travail, mais... En mijotant à gros bouillon. Qu'est-ce qu'on entend par gros bouillon? Un gros bouillon, c'est gros en termes de taille, c'est gros en termes de... C'est très très chaud, du coup c'est du gros bouillon. À mon avis, ce gros bouillon a encore des mystères à nous dévoiler. Qu'est-ce qu'un bouillon? C'est quoi la définition exacte de bouillon en vrai? Bouillon. Bouillon. Définition. Alors le bouillon, pour être tout à fait précis, c'est des bulles qui se forment au sein d'un liquide en ébullition. Liquide dans lequel on bouillit des substances comestibles. Et voilà! Donc soit on a le liquide, c'est le bouillon, soit... Les bulles qui se forment au sein d'un liquide en ébullition, c'est le bouillon. Donc en gros... là, dans ces bulles, il y a une lune. En mijotant à gros bouillon. Là, je suis dans un énorme bouillon. Je peux pas être dans un plus gros bouillon que ça actuellement. Il est gigantesque ce bouillon. Bon bah du coup, qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi, j'ai l'impression qu'on est dans une blanquette de faux. De veau, pardon. Qu'est-ce qui mijote? Des ingrédients? En mijotant à gros bouillon. Peut-être qu'il faut que j'attende. Comment est votre blanquette? Là, j'ai cet énorme bouillon, ok? Cet énorme bouillon qui est...
on va sortir là, voilà. Qui est alimenté par... Alors, on va aller là pour voir. Par ça, voilà. Ah, je peux pas aller dedans, ok. Ah, oh non, stop, stop, stop. La chute, elle est longue, trop longue, beaucoup. Jusqu'au bout, mais au bout au sens propre. Ça glisse, ça glisse. Mais attendez, parce que j'ai peut-être découvert un truc de fou là. Peut-être découvert un sacré truc. Merci Erwan. Totalement en terrasse, sur les côtes bretonnes, en train de siroter mon cocktail sous le soleil avec mon Bob Fleur, bien évidemment. Allez, la bise, Mino. Eh bah, profite, Erwan, merci. Et Mage Gugu, merci pour le 5e mois de Prime. Merci beaucoup. Ok, là déjà il y a des trucs, c'est super cool. Et je peux pas m'arrêter sur un endroit, genre il y a pas un endroit, si je crois, hein. Genre là, regardez, si je vais là. Là je peux m'arrêter. Ah non, 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 non. Décidément non. J'ai déjà testé de faire plein de... J'ai déjà testé de détruire tous les ingrédients, j'ai déjà testé de faire des tours de la marmite. J'ai tout... tester dans cette fucking grosse marmite. J'ai tout essayé, vraiment. J'ai plus d'inspi sur cette marmite. Tiens, si je remonte là-haut. Il ne trouvera jamais. À chaque fois, vous dites ça et je finis par trouver, hein. Ça met le temps que ça met, mais ça trouve, hein. Merde. Attendez, je vois un truc là. C'est où? Elles sont où les jumelles? Elles sont là? J'ai vu un truc là. Elles sont où les gigantesques jumelles? Merde. Là. Attends, mais tu vas pas assez haut? C'est chaud, hein. Tiens, est-ce que j'ai fait un truc, là? C'est une vraie question. Est-ce que j'ai récupéré ça? Vous savez, la lune qui est en rab ici, je pense que je l'ai fait, en vrai. Je pense. Je l'ai pas fait. Je vais donc la récupérer. 100 balles. Ok. Affaire en or au piton du Fruno. Parfait. On va se refaire une balade, hein. On n'a pas le choix de se balader là. Merci Sirius pour le 3e mois d'abonnement et Neostone pour le 21e mois aussi. Je ne suis pas là souvent, mais la bonne journée à toi. Merci beaucoup. Oh, attends, mais il y a des bouillons là. Y'a quoi là? Y'avait une lune à la base, c'est ça? Ouais, c'est ça, ok. Ok. Ça c'est pété, c'est là où y'avait le... C'est là où y'avait le cube qu'on a cassé tout à l'heure, qui a libéré toutes les lunes. Là, c'est une pile d'ingrédients, là.
C'est parce que j'ai, en mijotant un gros bouillon, au-dessus d'une pile d'ingrédients. Bon. Je pense pas que ce soit ça. Ok. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Tu trouveras jamais la pile d'ingrédients. Mais arrêtez de dire ça, je finis toujours par trouver. C'est un peu le but. Mon but c'est faire le 100%, je vais bien finir par trouver quand même. Ok. Ok, là il y a le petit raccourci, là il y a des, petites pièces. Ouais. Décidément. Là, ouais, du maïs, ok. Là, ça m'envoie de l'autre côté, là-bas. Merde. Oh non. J'ai appuyé sans faire expression ZR. Excusez-moi, bien sûr, retour à l'envoyeur. Il te manque combien de lunes? Dans ce monde, il m'en manque 8, je crois. Un truc comme ça. Ah non, 6. Ah oui, ben on en a récupéré. Il m'en manque 6. C'est pas tant que ça en vrai. Et ouais, c'est ça, au-dessus d'une pile d'ingrédients. Là, pour me laisser passer, mais ça on l'a fait. Hein. Réservé au cuisinier, voilà. Faut être cuistot pour rentrer dedans. Je pense qu'on on va quand même checker, mais... Je pense que c'est fait. Je pense. Et les 3 pièces, ouais. Il manque les 3 pièces. Ce qui me fait dire que 3 pièces manquantes plus 6 lunes... Il est probable qu'il y a un endroit que je n'ai pas vu où dedans justement il y a les trucs. J'ai plutôt acheté les habits avant. Merde, j'ai dit je me change. C'est pas grave. Ouais, il est fort probable qu'il y ait un endroit vraiment j'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé un endroit un peu caché. Accès secret, Python du Fruno. Alors, cuistot, hop, mais je l'ai déjà fait ça, non? J'ai pas fait ça? On cherche la tour pivotante, non ça c'était tout à l'heure. Merci le vieux mot pour le 9e mois, merci beaucoup. Ouais. J'espère vraiment que c'est un truc que j'ai... Non, j'ai pas fait ça. Ok, c'est énorme. En fait, j'ai juste pas fait ça, donc je pense que là, il va y avoir... Ok, vous savez quoi? Je reste ici, je vais faire pipi en deux spies parce que j'ai envie de pisser. Ouais, je dégoûte un petit peu. Il y a une sacrée pile au fond, hein. J'arrive, à de suite, j'arrive.